En ce mois de Ramadan, les Tunisiens font leurs emplettes pour l'iftar, le repas de rupture du jeûne. Mais les prix ont de quoi dissuader certains. 60 dinars, je n'ai pas de chai. Blish lham, blish djej, khodra, chouaya, lasagne, kaha. La flambée des prix touche de plein fouet l'alimentation, plus 8,9% sur un an, selon les derniers chiffres officiels. Pour que la situation n'empire pas avec la consommation survoltée du mois sacré, le gouvernement a pris plusieurs mesures, dont la mobilisation de contrôleurs pour empêcher la spéculation. هو ولا في حتى جميع العالم هو شهر عبادة ثم أنه فرصة أخرى للاستهلاك الاستهلاك للسيرفيس والمنتوجات وغير هذاك علاش نحن يكون التركيز نتاعنا أكثر في رمضان. L'inflation est le principal sujet de préoccupation des Tunisiens et une source majeure du mécontentement envers les partis politiques et le gouvernement. Un mécontentement exprimé lors des récentes élections municipales.